Oui, bonjour. Écoutez, je crois que tout le monde est en place. Donc, ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est une présentation des métiers du numérique. On entend beaucoup parler de numérique, qui touche finalement l'ensemble de l'économie, quels que soient les secteurs et quelles que soient les organisations. C'est pour certains une remise en cause, pour d'autres, une manière de gagner de nouveaux marchés face à des activités déjà traditionnelles depuis de longues années. Donc il y a vraiment une révolution dans ces sujets-là. Il y a donc de nombreux métiers à couvrir. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on vous fasse passer déjà un certain nombre de transparents pour vous donner quelques chiffres, pour vous donner les grandes orientations. Et puis ensuite, moi je pourrais vous parler un peu des métiers du numérique, de ce qui fonctionne bien aujourd'hui. C'est vraiment un secteur, vous le verrez, qui est dynamique. Et donc, on laissera après un petit moment pour les questions-réponses, comme d'habitude. Voilà, je te laisse la parole. Donc, la seule chose que j'ai oublié, c'est de me présenter, peut-être quand même. Mais... Donc, je suis Jean Rougin, je suis aujourd'hui délégué du régional du Syntec Numérique, qui est notre syndicat professionnel pour la région. Je suis aussi le fondateur et créateur d'une entreprise de services du numérique. Je représente grosso modo 500, pas loin de 500 personnes sur Lyon, mais aussi sur d'autres villes en France. Et donc, à ce titre-là, moi, j'ai dédié toute ma carrière. Et aujourd'hui, vous êtes accueillis par la Chambre de commerce. Je suis aussi un élu de la Chambre de commerce, puisque je suis vice-président en charge de tout ce qui est modernisation des entreprises. Voilà, donc s'il y a des questions plus spécifiques sur le numérique, je pense que je serai... J'espère amener à pouvoir vous répondre. Bon, bonsoir à tous, donc Pierre-François Vapton. Alors contrairement à Jean, j'ai qu'une mission. Je suis en charge en fait au sein d'une entité d'Orange qui s'appelle Orange Application for Business, du développement en fait, de la région sud-est. Voilà. Alors peut-être en fait en introduction, c'est pour ça que d'ailleurs on a choisi de vous passer quelques slides. C'est finalement pourquoi on parle du numérique. Parce que comme j'en dis, c'est à la fois un terme très banalisé et finalement quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc en fait, on a voulu vous montrer en quelques planches finalement pourquoi aujourd'hui on parle du numérique et par exemple pourquoi on ne parle pas simplement d'informatique. Puisqu'il y a 3 ans, il me semble, en fait, tous les titres qui avaient exactement la même somme, c'était informatique et digital. Désormais, on parle du numérique, parce qu'effectivement, derrière le numérique, il y a beaucoup d'informatique, mais il n'y a pas que ça. Bon, alors très rapidement, l'idée, c'est encore une fois, c'est de poser le décor, que vous compreniez pourquoi on a besoin d'autant de monde dans ce domaine-là. Premier élément, c'est finalement l'enjeu que ça représente pour les entreprises. Pourquoi aujourd'hui, on a besoin de plus de numérique, alors que l'informatique dans les entreprises, on en fait depuis très longtemps. Bien, ça tient à un certain nombre de choses, les premières étant finalement des usages quotidiens des consommateurs, que nous sommes tous, et qui changent fondamentalement les choses. Il y a un point où je pense que tant que vous ne le vivez pas, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que le fait que chacun d'entre vous, probablement dans la salle, ait un smartphone dans la poche, et on ne doute pas un instant que de toute façon ceux qui n'en ont pas en auront un, c'est inéluctable. Et c'est pas parce que je suis trop gérant que je dis ça, c'est absolument inéluctable. En fait, ça bouleverse énormément de choses. C'est-à-dire que dans beaucoup de choses de la vie quotidienne, le premier réflexe que l'on a, c'est d'utiliser son téléphone. Pour aller regarder sur Internet, pour utiliser une application, pour vérifier un prix, pour consulter de l'information, pour éventuellement en émettre, quand on est sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc ça peut être vécu comme un fil à la patte. Alors, généralement, chez les adolescents, c'est génial. C'est une extension d'eux-mêmes. Bon, une génération comme la mienne, c'est un outil de travail très avancé. On va dire ça comme ça. Bon, ce qui est certain, c'est que ça, c'est un élément qui révolutionne beaucoup de choses. Et j'en dirai deux mots tout à l'heure sur ce qui est derrière. Le deuxième élément qui est important, c'est tout ce qui tourne autour de l'information. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses autour de l'information. Je vais l'illustrer de manière très simple. Il y a quelques années, une entreprise
En fait, elle gérait ses informations, elle gérait quelques informations provenant des clients, de ses clients et de ses fournisseurs. Elle s'occupait un peu de son écosystème, de tout ce qu'on disait sur sa marque, mais ça n'allait pas loin. Depuis maintenant un certain nombre d'années, elle doit gérer également des quantités colossales d'informations qui sont véhiculées concernant sa marque, ses produits, ses services sur les réseaux sociaux. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne font évoluer leurs produits et leurs services que grâce aux contributions en termes d'informations des internautes et des consommateurs que nous sommes. Donc en fait, on est dans un système où l'information qui est digérée par les entreprises leur permet de faire évoluer leurs produits et services, et nous en devenons de plus en plus responsables de ces fameuses informations. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour les entreprises et qui fait que certaines vont passer le cap, utiliser ces informations à bon escient, et puis certainement que d'autres resteront sur le bord du chemin. Troisième brique, qui est plus une brique technologique, l'idée c'est pas de parler technique ici, c'est ce qu'on appelle le cloud computing. Bon, c'est maintenant, je dirais, une innovation à deuxième, je peux dire. Ce cloud computing, ça a maintenant 6, peut-être presque 7 ans. En termes d'usage, c'est très simple. Tous ceux qui ont un smartphone dans cette table, autour de cette table, pardon, ont probablement des photos sur leur smartphone, des contacts, sans doute un agenda, professionnel ou personnel, peu importe. Et en fait, ces données-là sont stockées sur le téléphone, mais sont également stockées sur des systèmes informatiques, alors que ce soit chez Apple, si on est chez Apple, ou que ce soit d'autres systèmes, peu importe. Et en fait, tous ces systèmes-là sont disponibles aujourd'hui parce que le cloud existe. Donc, en tant que consommateur, le cloud, c'est ce qu'il y a derrière nos smartphones, c'est derrière ce qu'il y a nos ordinateurs, ainsi de suite. Pour les entreprises, le cloud héberge de plus en plus, en fait, leur système d'information. Donc, ça, c'est la première chose. En ça, ça n'a rien de révolutionnaire. Avant, ils avaient un système d'information chez eux, désormais, ils l'ont sur le cloud. Là où ça devient absolument révolutionnaire, c'est que le cloud permet d'envisager à des sociétés tierces, je vais en citer quelques-unes que vous connaissez forcément, des Uber, sociétés de ce type-là, qui finalement aujourd'hui pèsent très très lourd sur le marché, c'est-à-dire des acteurs absolument colossaux en termes de capitalisation. Et en fait, Uber, aujourd'hui, est une entreprise qui ne possède rien. Elle a développé un logiciel qui agrège des services et des données qui sont produits par d'autres. Et cette entreprise-là pèse plusieurs milliards. Donc voilà. Et ça, ce n'est possible que grâce au cloud, parce que quelque part, pour arriver à rendre ce genre de service, on a besoin d'avoir des infrastructures informatiques extrêmement puissantes et disponibles à la demande. C'est quand on en a besoin, c'est quand tout le monde se connecte pour aller de chercher un véhicule disponible à 3h du matin au septembre de minuit, on a besoin d'avoir la bonne puissance de calcul à ce moment-là. Bon, donc ça c'est un troisième élément, et puis le dernier élément c'est la dimension sociale. Alors j'ai abordé quand j'ai parlé d'information, la dimension sociale devient assez fondamentale, même pour les entreprises, hein, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui envisagent finalement de structurer la connaissance et l'information dans leur société autour de réseaux sociaux. Alors, je vous rassure, on n'est pas en train de parler de Facebook. Il ne s'agit pas de demain de publier sur Facebook des informations à des entreprises. On parle d'autre chose. On parle de réseaux sociaux d'entreprise. Mais quelque part, le fonctionnement même de ces réseaux sociaux est assez révolutionnaire. Je vais vous l'illustrer de manière très très simple. D'imaginer demain qu'une entreprise partage ses clients et la connaissance de ses clients sur un réseau social d'entreprise, ça peut être totalement contradictoire avec finalement des règles de protection des données de ces mêmes finalement clients. Il y a beaucoup de sociétés qui protègent les données concernant leur base client parce qu'elles estiment que c'est très confidentiel comme information, il ne faut pas que ça sorte à l'extérieur. Adopter demain un réseau social, c'est finalement mettre à disposition toute sa base client sur un réseau social et la partager avec tout ou partie de l'entreprise. Donc voilà, donc ces genres de choses sont extrêmement structurantes. Bon, il y a un autre élément qui pousse aussi les réseaux sociaux. J'ai entendu, je crois que c'était il y a deux semaines, il y a eu
Il y a des résultats de sondage sur en fait l'utilisation du mail. Donc, le mail, on dit depuis 5 ans qu'un jour le mail va disparaître. Toujours est-il que je suis assez curieux de savoir qui a disparaître le mail autour de la table, mais bon. En France, un cadre intermédiaire passerait 3 heures par jour à traiter de l'information. Premier canal dans ces 3 heures, le mail. Et je me sens tout à fait concerné. Pareil, ça veut dire qu'en fait, pendant 3 heures, on renvoie de l'information, on la complète, on la corrige, on transmet, et ça représente un tiers de notre journée, voire un bon tiers de journée. Voilà. Bon, donc ça, c'est quand même des choses qui parlent à tout le monde, qui sont assez structurantes, et qui, aujourd'hui, sont une réalité pour les entreprises, parce que le consommateur a voulu l'emmener là où nous sommes. Pas croire que ce soit le contraire. Hein. Bon, très rapidement, tout ça, ça veut dire quoi en fait pour les entreprises? Ça veut dire une relation client qui est différente. Je vais là aussi illustrer simplement, plus ça va, moins on tolère qu'il y ait le moindre délai entre une réflexion et une intention d'achat et la livraison en fait du produit correspondant. Alors chez nos adolescents, alors là c'est extrême. La frustration des 48 heures n'existe pas. Bon, mais quelque part, c'est assez structurant. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on doit être capable d'accompagner un client, une entreprise, qui va commencer son parcours sur Internet en tapant quelques mots-clés sur Google, ensuite qui va suivre éventuellement sur son téléphone portable, qui va vouloir contacter son client par téléphone, le rencontrer dans un espace physique, ainsi de suite. Et il faut quelque part qu'on conserve l'histoire du parcours de ce client pour être le plus pertinent possible lorsque le client va enfin passer à l'acte d'achat. Et ça, c'est un enjeu très important pour les entreprises. Je veux tout savoir de finalement vos habitudes, vous les consommateurs, parce que demain, grâce à ça, je vais prédire ce que vous allez consommer. Et donc je vous laisse imaginer, si je suis capable de prédire ce que vous allez consommer, je vais évidemment vous encourager, vous envoyez au bon moment la promotion à laquelle vous n'avez évidemment pas résisté. Et en plus, je vais pouvoir commander les stocks correspondants, blablabla. Donc il y a un vrai changement sur la relation client. Et là, on ne vous parle pas, enfin, ce n'est pas du futur. Là, c'est vraiment des choses qui sont en cours chez déjà beaucoup d'acteurs. Il y a un deuxième point qui est assez structurant, alors qui est moins visible au coup du grand public, qui est en fait ce qu'on appelle le changement de business model pour les entreprises. Alors, les trucs qui peuvent paraître un peu tordus, mais je vais l'illustrer. Un industriel qui fabriquait des produits. Alors, je crois que j'avais parlé de ça, ce qui était vraiment. Imaginez un industriel qui fabrique des produits. Demain, il va vouloir fabriquer des produits connectés. Il y a des questions qui se posent. C'est-à-dire, est-ce que la valeur de ce qu'il vend, c'est le produit? Ou c'est le service qui est associé au produit qui va nous aider. Bon, et en fait, cette simple question bouleverse, en tout cas peut bouleverser l'entreprise, parce que son modèle précédent, c'est que je fabrique un coût de 80, je vends un 100, moyennant une chaîne de distribution, je gagne 20, et voilà. Demain, le produit, je le vends, je ne sais pas combien, c'est peut-être à 40. Et puis par contre, il va y avoir du service associé, et puis peut-être que la valeur de mon produit, elle va passer par le service. Donc là, on constate effectivement chez un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre d'entreprises, des changements très importants. Alors sur le produit, ça peut paraître anecdotique. Si je vous avais parlé des assurances automobiles, là ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, on connaît l'assurance automobile classique. Je paye à l'année pour un service. On sait aussi qu'il existe des assurances au kilomètre. Je paye en fonction de ce que je fais réellement comme kilomètre. Et en fait, vous verrez que bientôt, vous payez votre assurance en fonction du nombre de kilomètres, de votre comportement sur la route, savoir si vous êtes un bon conducteur, respectueux des règles et ainsi de suite, et en fonction de beaucoup de choses aussi. Et ça, ça révolutionne le modèle de l'assureur. Parce qu'il fait comment pour prévoir que finalement, dans la salle, on a 60% de conducteurs vertueux à qui je vais faire payer 30% de moins la prime d'assurance qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est des changements qui sont fondamentaux, qui ne sont pas simples évidemment à opérer, et aujourd'hui sur lesquels les entreprises travaillent.
Bon, et puis le dernier qui paraît plus évident, c'est les salariés qui sont dans les entreprises. Et bien, quelque part, on doit suivre le mouvement et accompagner toutes ces opérations-là. Ce n'est pas toujours facile, puisqu'on est acteur du changement, mais on subit également ces différents changements. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, ça aujourd'hui, c'est ça, quelque part, qui pousse à la consommation de tout ce qui est numérique. C'est parce qu'aujourd'hui, ça, c'est une réalité, que ben, finalement, derrière tout ce qu'on vient de dire, on a besoin d'informaticiens partout, partout, partout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de choses, mais on a besoin de plus en plus d'informaticiens. Bon, rapidement, c'est certainement de la redite, j'ai illustré. Vous avez compris, un produit qui devient connecté, ben, il y a un bouleversement de modèle économique, mais en fait, ça touche dans plein de domaines. Ben, j'aurais pu parler de la santé, hein, qui touche pour le coup tout le monde. Ben, si demain, on est tous équipés de, vous savez, des petits bracelets ou tout le monde, peu importe la limite la forme que ça va prendre, si on est équipé de ça, bon, en dehors du fait que ça permet de mesurer un certain nombre de nos performances physiques, au-delà de ça, l'enjeu pour la sécurité sociale et pour les assurances que ça représente. Et ça, l'exemple que je viens de donner, c'est en ce moment que ces acteurs-là sont en train de travailler dessus. Notamment les assurances, aujourd'hui, sont très très avancées dans ce domaine. L'idée étant finalement de récompenser ceux qui entretiennent, qui s'entretiennent bien, et de pénaliser ceux qui font n'importe quoi de leur corps. Je vais passer rapidement. Juste pour vous donner une idée, j'ai récupéré ça il y a 10 jours, alors je vous ai, on ne voit peut-être pas très bien. L'extraction d'il y a 10 jours, ce sont des données donc, qui a été extraite du réseau social LinkedIn, qui est aujourd'hui le premier réseau social d'entreprise au monde, qui a extrait en fait les 25 besoins les plus demandés en fait sur un réseau social. On ne va pas les lire, ça n'a aucune importance. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est numérique. Et ça démarre en 25 et ça se termine par le 1. Et là, on parle de tout secteur confondu. On ne parle pas d'informatique, on ne parle pas de numérique. On parle de tout secteur confondu, la restauration fait partie. Et donc voilà aujourd'hui ce que ça donne. Et tout ça, c'est une portion très importante finalement des besoins du numérique. Bon, je vais prendre la parole sur la partie chiffrée. Donc, aujourd'hui, effectivement, dans mon métier, beaucoup de métiers qui sont en tension, comme on le dit, c'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas à trouver, non seulement momentanément, mais dans la durée. Déjà depuis quelques années et encore largement pour le futur, puisque tout ce qu'on a pu voir, c'est aujourd'hui une énorme boule qui grossit et numérique, vous savez tous maintenant, est en train d'intégrer tous les secteurs, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est B2C, c'est-à-dire ce qui vous concerne, c'est les nouveaux outils, c'est les tablettes, c'est la mobilité. Et donc derrière, forcément, il y a des besoins de développement, des besoins de gestion, des besoins à tout niveau. Donc juste les parcourir rapidement. Qui sont immenses et qui sont souvent pas du tout couverts pour nous professionnels, par les écoles, par les enseignements, malgré l'arrivée d'écoles privées. C'est vraiment une difficulté importante et donc cette difficulté est souvent compensée par l'appel à des compétences étrangères ou alors du déport de consommation et de développement d'applicatifs. Donc tout ce qui est développement et intégration, c'est le développement de logiciels, l'intégration, c'est l'intégration de progiciels, de briques déjà existantes, par exemple la comptabilité, on l'intègre. Des spécialistes en système et en réseau, donc ça c'est effectivement au niveau de l'architecture technique. Là vous avez besoin souvent de formations assez élevées pour manipuler tous les operating systems, les réseaux. Et les réseaux sont maintenant la pierre angulaire de la plupart des systèmes. On parlait de cloud tout à l'heure. Le cloud, qu'est-ce que c'est? C'est une informatique qui est déportée, qui est vendue à l'utilisateur
sous forme d'abonnement, finalement, et saisit toutes ces données dans le web, et bon, il y a quelque part une machine redondante qui peut dupliquer, avoir des, comment dirais, des clusters et autres. Et tout ça fait que on a besoin de spécialistes système et réseau de manière importante. Bien sûr, Internet, le graphisme, hein, aujourd'hui, dans le passé, on construisait des applications de caractère, maintenant c'est complètement terminé. Donc, ce qui intéresse vraiment les consommateurs, ce sont aussi le graphisme. Le graphisme, mais aussi l'ergonomie, c'est-à-dire qu'on ne tape pas trois fois la même donnée à des endroits différents, qu'on s'y retrouve, qu'on ait une logique dans l'enchaînement des écrans, dans les menus, dans la conception des applications. Évidemment, les commerciaux, alors là, les commerciaux, c'est la denrée peut-être encore la plus rare en ce moment, on ne trouve pas. Des spécialistes dans le conseil, en amont, pour pouvoir concevoir des applications, voire des retours sur investissement. L'infogérance, qui est aujourd'hui la sous-traitance qu'ont les entreprises à des spécialistes de leur architecture ou bien alors de leurs applications. Tout ce qui conduit du changement, puisque bon, tout change très très vite, les entreprises fusionnent, les modèles économiques changent. Donc là aussi, il faut des spécialistes pour gérer ça, qui ne sont pas forcément des purs informaticiens. Le e-commerce, la sécurité, c'est encore autre chose. Donc, le e-commerce, ben, tout le monde le connaît, je ne vais pas rentrer trop en détail parce qu'on en tourne un peu. Et puis, la sécurité des réseaux, la sécurité des mots de passe pour pas que les applications soient piratées. Business analyst, c'est tout ce qui est lié aujourd'hui. On est dans le passé ce qu'on appelle BI, maintenant. C'est tout ce qui est big data, donc il y a là énormément de métiers qui se créent, qui sont relativement récents, les data analysts, tout un tas de métiers de ce type-là. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 220 métiers dans le numérique, mais finalement, on y retrouve des cursus au départ assez proches, beaucoup de cursus de niveau ingénieur, Bac+1, voire Bac+2, Bac+3. Et puis des cursus de commerciaux, d'organisateurs qui sont aussi très intéressés, et des cursus plus créatifs autour des graphistes et des ergonomes. Donc on y trouve finalement un petit peu toutes les compétences. Ces métiers sont certes exigeants, mais ils sont aussi extrêmement intéressants puisqu'on modélise finalement des schémas dans les entreprises. Et on est vraiment en contact. Si vous travaillez dans la banque, vous allez connaître parfaitement le métier de la banque. Si vous travaillez dans l'industrie, vous allez travailler beaucoup sur tout ce qui est R&D, tout ce qui est gestion de production. Donc c'est passionnant. C'est non seulement de la techno, mais plus on monte dans la hiérarchie, dans l'ancienneté, plus on fait de la gestion de projet, plus on fait du management, plus on apprend le métier des clients. Et ça, c'est vraiment passionnant. Il est clair que c'est exigeant, ça demande des compétences, une bonne formation, ça demande aussi bien sûr la connaissance de l'anglais, mais la clé, vous êtes sûr, au moins pendant 10 ans, même au-delà probablement, puisque tout va se numériser encore à la puissance 10, on n'en est qu'au début, hein, là, d'avoir des métiers intéressants, porteurs, bien rémunérés. Bon, les rémunérations, effectivement, 28 000 euros. Aujourd'hui, on va dire un Bac+5 débute entre 28 et 35 000, selon on débute à Paris, à Lyon ou ailleurs, à quelle école ou à Tsitsi. 90 000, oui, certains c'est beaucoup plus, ça faut être clair. Donc tout ça, c'est important. 2/3 de Bac+5, ça continue, le pourcentage continue à croître. Hein, on est plutôt aujourd'hui sur des tendances d'embauche à 80%. Beaucoup d'emplois créés et puis un nombre de diplômés, comme je l'ai dit, qui n'est pas encore suffisant. Mais, Alors, qui sont les recruteurs? Ben, c'est les entreprises des services numériques, les éditeurs, les constructeurs encore d'équipements, distributeurs, les opérateurs de télécom, hein, donc Orange, les
utilisateurs qui font de la, R&D et l'enseignement. Bien voir que, par exemple, dans le monde de, l'industrie aujourd'hui, la R&D, les prototypes et les nouveaux produits sont plus du tout conçus, comme tu l'as expliqué chez Seb, sont plus du tout conçus de la même manière qu'il y a 15 ans. Quoi. Il y a 15-20 ans, on faisait un prototype autour, à la machine, on le testait, on voyait comment ça marchait, l'électricité, ainsi de suite. Là, c'est fini, tout est automatisé, numérisé, c'est de la CAO, on fait voir des imprimantes 3D, et ainsi de suite. Donc, les services de R&D, moi j'ai vu beaucoup d'entreprises, des équipements qui automobiles, ou dans la plasturgie ou ailleurs, les services de R&D, c'est pour moitié, c'est des informaticiens. Voilà, donc il faut apprendre, il faut connaître le métier, mais il y a beaucoup d'informatique. Donc voilà ce qu'on peut peut-être vous dire, je pense que c'est encore transparent. Bon, le marché, il est très fort hein, aujourd'hui, je ne sais pas si on voit trop, mais... C'est vrai que c'est... Oui, je disais, en fait, les premiers tableaux qui est totalement invisible, c'est le taux d'insertion des jeunes diplômés Bac plus 5. L'informatique, donc, est le dernier en vert et détient le record en termes d'insertion avec 97% de jeunes diplômés qui trouvent un job en sortant de l'école. Le deuxième chiffre, ça concerne les salaires. Vous avez vu ce que ça donnait tout à l'heure. Donc là, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les domaines qui sont listés dans cette étude, l'informatique se place comme étant pratiquement un des meilleurs salaires, en tout cas chez les débutants, parce qu'on parle des débutants. Et le dernier chiffre que l'on a, c'est en fait la stabilité, c'est une mesure en fait de la stabilité dans le temps, à savoir qu'est-ce que deviennent ces informaticiens dans les 30 mois qui suivent leur embauche. Est-ce qu'ils restent en poste ou est-ce qu'ils sont amenés à potentiellement perdre leur emploi et ainsi de suite. Et là, c'est pareil, on détient un record à 93%. Mais encore une fois, rien d'étonnant, hein, jusqu'au moment où on dit avant, c'est logique. C'est la conséquence de. Il y a de la place pour quasiment tout le monde, c'est écrit. Donc, on revient sur les métiers. Donc, aujourd'hui, les métiers les plus recherchés, c'est tout ce qui est développement. Alors, ça, c'est les métiers de début de carrière, hein, développement. Et après, petit à petit, comme je l'expliquais tout à l'heure, on monte dans la hiérarchie. On est capable d'être concepteur, on est capable d'être architecte. Alors, un architecte, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va dessiner les architectures numériques, tant sur le plan de tout ce qui est applicatif, mais également sur le plan de l'infrastructure. Et puis des chefs de projet. On fonctionne vraiment en mode projet depuis la nuit des temps dans ces métiers. Et c'est ce qui est intéressant, enfin, en petite équipe, en très grandes équipes. L'assistance et le conseil, donc tout ce qui est consultant. Donc l'assistant et la maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui va aider l'entreprise à concevoir son logiciel. Puis l'entreprise va dire, ben, moi je voudrais bien développer la gestion commerciale. Hein, le conseil va faire appel du renfort à des consultants. Pour les aider, et là il y a beaucoup de besoins. L'urbaniste, c'est celui qui va dessiner le système d'information, quand même des postes qui s'adressent à des personnes qui ont une dizaine d'années d'expérience. Le réseau, l'infrastructure, la sécurité. Bon, il y en a beaucoup là aussi, je ne vais pas tout citer. L'ingénierie des affaires, donc, dans tout ce qui est commerce, donc ça part par ce qui est consultant dans mon monde, c'est-à-dire. Un rôle un peu technico-commercial, comme on expliquait, chef de produit, communication-création, donc là on est en plein dans le web, c'est community manager, ergonome, oui, même directeur artistique, ainsi de suite, donc voilà qu'il y a plus de postes, mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur le graphisme, sur un certain nombre de choses, et ça c'est des métiers récents et qui sont très porteurs. Et puis l'analyse métier, donc là c'est la statistique, on va aller très très loin dans le big data avec des analyses très poussées qui demandent des concepts là, mathématiques de très haut niveau, et puis une gestion de données qui est absolument phénoménale, mais là encore c'est un début. Comme tu
disais tout à l'heure, on aura capacité malheureusement à en savoir beaucoup plus sur notre comportement et nous pousser à un certain nombre de produits peut-être non désirés. Voilà. Ok, ben ce que je vous propose peut-être pour échanger un peu, c'est que vous nous transmettiez vos questions. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Je vous conseille aussi d'aller sur le site Syntec et Syntec Numérique, puisque là, vous aurez de nombreux téléchargements. Des sites aussi qui ont été créés par le Syntec Numérique en association avec d'autres organismes, comme Pascaline, qui permettent justement aux étudiants de s'orienter, de voir un peu vers quel métier vous êtes fait, dans le numérique, vous seriez fait, qui pourrait vous convenir dans le numérique. Et puis d'autres organismes, je n'arrive pas à tout dire là, mais globalement, il y en a un certain nombre. Et puis, il y a quelque chose aussi, alors on a cité là l'application mobile des métiers du numérique, qui est d'ailleurs une société qui est en grande. En fait, il y a une vertu cette application, c'est que c'est un catalogue d'un certain nombre de métiers qui sont présentés de manière très pédagogique. C'est vraiment des choses en des termes très très simples, on ne parle pas du tout technique. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'avoir une espèce d'aperçu du métier de l'informatique au travers de tout ce qui est, listé. Ce que je voulais juste dire, c'est que la profession, donc un syndicat professionnel des métiers du numérique, le syndicat s'appelle Syntec Numérique, parce que dans Syntec, il y a plusieurs branches, mais Syntec Numérique a vraiment fait des efforts énormes pour faire connaître ces métiers, pour les faire comprendre, pour les vulgariser, pour effectivement présenter soit des vidéos, soit des descriptions, soit des cursus de formation. Donc on instaure, et puis dans ce stand-là, on a un petit bouquin qui s'appelle l'officiel des métiers du numérique, que je vous engage à récupérer, parce que dedans, il est très bien fait. On y retrouve toutes les formations, on y trouve une grosse partie des métiers avec classés par thème, et également dans les écoles par département. Voilà, évidemment, ça ne remplace pas peut-être un discours, mais vous pouvez aller voir mes confrères qui, en ce moment, sont en train d'expliquer ces métiers-là et vous donner des renseignements. Voilà, on va peut-être commencer par les questions. Toujours la première, un peu compliquée. Et moi, j'ai une question toute simple. Est-ce qu'il y a dans l'informatique de la place pour ceux qui préfèrent les lettres au Mac? Alors, c'est une bonne question, puisque pendant longtemps, c'était un métier plutôt numérique et plutôt, on va dire, scientifique, qui fait appel à la logique, à l'abstraction. Mais en réalité, si on revient un petit peu peut-être sur... on s'aperçoit que, notamment en avant-dernière ligne, communication et création, c'est typiquement des personnes capables de créativité. Alors, les lettres, en tant que telles, je ne dis pas que c'est simple parce qu'aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est contenu. On a aujourd'hui besoin, moi je le vois pour mon entreprise, mon média, c'est à faire un site internet, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il s'agit de rédiger, ce qu'ils ont très bien fait d'ailleurs, leur projet, ils les ont très bien réalisé, ils connaissent par cœur. Par contre, quand il faut les mettre en valeur, les rédiger, là, ils n'ont pas forcément la plume. Mais oui, il y en a. Maintenant, ce n'est quand même pas le cœur de notre métier, il faut être clair. En fait, dans la liste, ce qu'on vous a mis, les quatre premiers sont vraiment issus des filières informatiques classiques, si je puis dire. Et effectivement, les deux dernières, j'en viens de dire, l'avant-dernière, là, on est plutôt vraiment dans le domaine artistique. C'est complémentaire au métier de l'informatique, et on a de plus en plus besoin. Et le dernier, c'est les maths. Alors là, maths et statistiques, on a. Voilà tout ce qui est... Community Manager, Webmaster, tout ça, c'est du contenu. Donc là, il y a de la place. Non, c'est vrai que ce n'est pas la majorité, c'est certainement quelques pourcents du recrutement. Oui.
métiers recherchés, développement de logiciels. Pourtant, les entreprises ont de plus en plus appel à des produits comme l'AND, etc. C'est des métiers où, justement, on ne coûte pas trop. Hein. Alors, il faut l'analyser à plusieurs degrés. On est complètement d'accord qu'il y a beaucoup de développement en Inde, hein, puisque dans les grandes sociétés, certainement, ont plusieurs dizaines de milliers d'employés, presque 100 000 en Inde, sociétés françaises, pour certaines. Mais en réalité, pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on manque beaucoup de ressources françaises et qu'on a été obligé d'avoir des capacités de développement dans des pays asiatiques qui ont de fortes équipes en nombre. La deuxième, c'est effectivement raison de prix, mais en fait, il y a encore énormément de développement et de volume en France. Il faut être clair qu'aujourd'hui, ce sont encore des postes en tension. Moi, j'ai une entreprise qui a à peu près 500 personnes. Là, il manque, entre 20 et 40 développeurs pour maintenant. Quoi. Et je ne trouve pas. Et j'ai des équipes de recrutement, j'ai 6 personnes de recrutement qui font tous les réseaux sociaux, qui cherchent partout, je ne trouve pas. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années. Et mes confrères sont dans les mêmes problématiques. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui partent à l'étranger. C'est peut-être la partie la plus visible aujourd'hui qui fait un peu peur. Mais en réalité, c'est faux. On a vraiment besoin de développeurs en France parce que le développement à l'étranger, ce n'est pas la panacée universelle. D'abord, parce qu'il faut quand même traduire souvent. Il faut ensuite la réaliser à distance. Il faut récupérer le logiciel, le tester dans le CT, et puis bien se comprendre, échanger, les décalages horaires, la langue n'est pas toujours précise, même en français on a quelquefois du mal de spécifier clairement. Donc tous ces sujets-là sont quand même un frein. Et je dirais, c'est un petit peu comme certains métiers, comme le textile partout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties à l'étranger pour des raisons de coût, mais il y a aussi beaucoup de choses en France qui sont très intéressantes. Et aujourd'hui, ces métiers-là sont vraiment demandés. Alors, c'est des métiers qui concernent les jeunes sur les 4-5 premières années, et après, ils évoluent vers d'autres métiers qui sont plus liés à la maîtrise d'ouvrage et qui donnent justement du travail à des études de développement qui seront, bon, faut pas que ça non plus à l'étranger, hein, mais donc les pays concernés sont le Maghreb, principalement le Maroc, un peu la Tunisie, c'est également les pays d'Europe centrale, Roumanie, Tchéquie, Pologne, et puis les pays asiatiques, l'Inde, un peu la Chine, un petit peu le Vietnam, voire des pays comme le Maurice, ou un petit peu moindre. Et aujourd'hui, le marché, c'est 10 à 12% qui sont exportés à l'étranger. Donc, c'est pas énorme, mais ça se stabilise, on gagne un peu tous les ans. Je pense que ça passera pas les 15%. C'est effectivement, c'est pourquoi ça ne monte pas plus vite. C'est parce que quelque part, on ne peut pas confier tout type de développement finalement à ces plateformes. Or aujourd'hui, tout ce qui est dans le numérique, tout ce qui est dans la tendance du moment, c'est souvent des petits développements très rapides qui demandent beaucoup d'agilité. Et donc tout ce que je viens de dire là, c'est infaisable avec des plateformes à l'étranger. Aujourd'hui, le développement d'applications mobiles manque cruellement de ressources dans ces domaines-là. Le développement d'applications mobiles, c'est un projet de petite ou de moyenne taille. Vous ne voyez pas ça en Inde, ça n'a aucun sens. Les applications mobiles, ce sont les tablettes, les smartphones, principalement. Hein. D'autres questions ? On dit que c'est un secteur où les métiers deviennent plus vite et où donc les compétences sont vite obsolètes. C'est une tarte à la crème ou une réalité? Il y a plusieurs choses. En fait, il ne faut pas mélanger la compétence qui est acquise par un informaticien lors de sa formation, qui est méthodologique, façon de travailler, ainsi de suite, et finalement l'évolution des technologies. Alors déjà parce que l'évolution des technologies, on n'assiste pas non plus tous les 5 ans à un bouleversement, c'est des évolutions. Et en fait, comme vous disiez avant, c'est-à-dire que quelque part, la manière dont ça se passe, c'est de toute façon un informaticien qui commence par faire du développement logiciel. Dans les domaines qu'on est en train de vous présenter, il ne va pas faire ça pendant 20 ans. Il va
passer à autre chose au bout de 5 ans, probablement, dans tous les cas au bout de 10 ans. Et donc à partir de là, les fameuses vagues auxquelles on assiste tous les 6-7 ans, avec des changements de technologie qui sont importants, il ne vivra pas. Il en entendra parler, mais il ne vivra pas. Si vous voulez, le métier est constitué de telle manière que les changements existent, mais c'est aussi maîtrisé. Petit à petit, on est en profession, si les bases de données évoluent, on a vu 3-4, la 5e, ça en plus, et ça se fait de manière un peu progressive, de temps en temps il y a des ruptures. Mais bon, voilà, donc aujourd'hui il y a eu des ruptures sur les langages de développement, ça s'est fait dans les années 95, avec l'arrivée de Java, avec l'arrivée de l'objet, on est toujours dessus, hein, aujourd'hui, hein, toujours le même logiciel. Donc, il y a des ruptures, il y a beaucoup de changements, il faut quand même effectivement être curieux, capacité à s'adapter. Mais en réalité, puisqu'on parle des cycles, le cycle de développement, je suis complètement d'accord, c'est environ 7 ans. Mais quand même, aujourd'hui, les logiciels qui perdurent depuis 30 ans ou 40 ans, hein, et qu'on continue à développer. Et puis, on a également des compétences. Quand vous connaissez le secteur de la banque et vous êtes chef de projet, c'est une compétence à vie. Le management, c'est une compétence à vie. Le commerce, c'est une compétence à vie. Les réseaux, les infrastructures, ça bouge plus, c'est sûr. Enfin, c'est généralement des gens qui sont câblés pour suivre, pour évoluer, tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est des métiers... Il ne faut pas avoir peur du changement dans le numérique, parce qu'au contraire, je trouve que c'est vraiment très intéressant de suivre toutes les strates et l'évolution de ces métiers-là, qui sont des métiers modernes qui évoluent. Mais les autres évoluent aussi. Hein, dans l'industrie, il y a des ruptures technologiques énormes. Qu'il faut assumer partout, dans la banque, il y en a à voir, dans les télécoms, vous en avez vécu énormément aujourd'hui avec l'arrivée des téléphones mobiles. Pour tous les secteurs, aujourd'hui, il y a énormément de ruptures. Donc ça veut dire qu'effectivement, un jeune doit avoir une capacité à s'adapter, doit avoir une formation assez générale et assez conceptuelle pour pouvoir s'adapter au-delà de ce qu'il apprend vraiment à savoir-faire. Il ne faut pas en avoir peur, c'est même demandeur. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire, il nous pousse à pour changer. Hein. C'est plutôt dans le sens inverse. Ce sont des métiers qui sont accessibles par l'apprentissage. Ce sont accessibles par l'apprentissage à quel niveau? Ça dépend un peu du niveau de... Ah oui. Oui, bien sûr, on en a dans les entreprises, on en a beaucoup, puisque maintenant vous savez que les entreprises sont poussées vers l'alternance, l'apprentissage et ainsi de suite. Donc la plupart de nos stagiaires maintenant sont dans ce modèle-là, donc on a des stages d'un an, deux ans en alternance. Avant il y avait des stages, hein, voilà, selon les écoles, ça perdure plus ou moins. Qui font des stages d'année en année, et puis des stages de fin d'année en début d'embauche. Il y en a d'autres qui sont plus sur les modèles d'alternance. Aujourd'hui, là-dessus, on est assez souple, on intègre beaucoup de jeunes. Hein. Nous, on cherche vraiment à recruter, et donc, moi, les stages, je demande à ce qu'on en prenne le plus quoi, possible, mais on n'y arrive pas. Ils sont déjà tous pris, ils ont déjà tous des stages, et il faut se battre contre les contrats pour gagner des stagiaires. Non, mais c'est clair. Tout à l'heure, tu citais 97%, mais moi, je dirais que c'est 100%, mais 3%, vous ne voulez pas travailler. Hein. Voici une autre question. Oui. Je voulais vous demander, vous avez parlé du Big Data. Quels étaient les métiers relatifs au Big Data? Les métiers relatifs au Big Data. Alors, il y a beaucoup de métiers, bon, je vais essayer de voir, hein, parce que j'ai un petit sondeur, qui sera assez... voilà. C'est un peu anglicisé, on va dire, bon... Pour résumer, en fait, je dirais ce qui est derrière, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on demande à ces spécialistes d'arriver à utiliser des outils informatiques qui sont un peu particuliers, c'est des outils qui permettent de manipuler en fait, de très grands volumes de données. Et on leur demande d'amener finalement leurs compétences mathématiques, statistiques, pour arriver à transformer ces volumes de données en des indicateurs métiers simples et compréhensibles par tout le monde. Les informaticiens, précédemment, c'est eux qui faisaient ça.
et travailler sur des volumes de données, on va dire, raisonnables. Et donc à partir de là, ils déroulaient un certain nombre d'opérations pour faire des calculs, mais pour recalculer, etc., ce sont des indicateurs. Aujourd'hui, vous imaginez, quand il s'agit d'inspirer les réseaux sociaux pour calculer un indice du bonheur, qui est le nouvel indice qui a mis en place BFM Media ce dernier, quand vous regardez derrière la composition de cet indice du bonheur, ça représente des milliards de données. Et donc aujourd'hui, être capable de faire ces transformations entre ces données, dont certaines sont structurées, et d'autres sont alors complètement déstructurées, les réseaux sociaux, pour arriver à un indice qui tient à deux chiffres, voilà. Ça, c'est la peine. C'est pour ça que quelque part, c'est des gens à qui on ne demande pas d'avoir une compétence informatique, ils ont un vernis, et on va leur donner la capacité à utiliser les outils particuliers qui sont à disposition de son humain. Par contre, ils doivent aimer les mêmes. Aujourd'hui, c'est une extrapolation de phénomènes qu'on utilise déjà, qui s'appelle BI, l'intelligence intelligente, qui était déjà des tableaux de bord, de l'extraction de données, de manipulation de données avec des axes différents, des axes de production. Mais aujourd'hui, ces métiers-là sont vraiment porteurs. Par contre, ils nécessitent une formation d'abstraction de la vision des données, puisque, comme tu l'as bien dit, il faut monter des indicateurs, il faut travailler dessus. Aujourd'hui, les banques, la grande distribution, l'industrie, et bien sûr les opérateurs vont travailler sur ces domaines-là. Mais c'est encore un domaine plus jeune dans lequel on a encore tout à faire. Et qui est possible maintenant du fait de la capacité des machines, des mémoires et des logiciels qui sont spécifiques à cette technologie. Aujourd'hui, c'est des très beaux métiers, très porteurs d'avenir et qui vont être complexes mais bien rémunérés. Donc il y en a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs noms aujourd'hui, mais c'est vraiment un beau pôle, mais il faut bien comprendre que c'est un pôle qui sera difficile à gérer, parce qu'il faut gérer les performances, les volumes, la difficulté d'extraire les données, et puis peut-être même à terme une certaine sémantique de la donnée elle-même. D'autres questions ? Encore une minute ou deux. Oui, excusez-moi, bonsoir. Pour reprendre la question du monsieur au début, ici. Ah, vous êtes là. La voie royale, toujours que l'on fasse une formation informatique via IUT, alternance ou bac plus 5 ingénieur, reste toujours un bac mathématique. C'est plus facile, c'est la grande porte, on va dire, et c'est vrai qu'il y a qu'un bac scientifique, un bac S. Ça ouvre la porte soit aux universités, soit aux grandes écoles. Et évidemment, c'est plus facile avec un diplôme d'une école d'ingénieur ou un master 2 d'une université, on trouve un job tout de suite. C'est bien sûr les personnes que nous arrachons. Voilà. Après, il y a quand même de bonnes formations par ailleurs. Il y a aussi des écoles privées qui sont en bac plus 5 et qui font des bonnes formations avec des accès plus faciles, mais aussi c'est plus coûteux en coût des études. Et puis également des formations maintenant de licence, DUT, BTS, qui sont quand même aujourd'hui encore très porteuses, mais peut-être plus difficiles pour accéder à des vraies responsabilités plus tard. Et on fait encore des très belles carrières. Tout à l'heure, c'était un tiers. Hein, je pense que dans le tiers, il y en a beaucoup qui viennent du passé. Maintenant, pour connaître les questions nationales à canaliser ces étudiants à bac plus 5, donc ils s'arrêtent quand même beaucoup moins dans les formations courtes après le bac. Mais je vous engage à prendre ce livre. Vous aurez toutes les formations dedans. Et puis, il y a un site sur le site du Syntec Numérique que vous pourrez, j'ai plus complètement en tête, qui a été fait entre l'étudiant et Syntec Numérique. Et ce site-là, il permet de voir toutes les filières, des organigrammes, c'est extrêmement précis, toutes les écoles, toutes les filières. Voilà, donc c'est un peu différent, puisque c'est tous les cursus de formation pour atteindre ces métiers-là. Je pense qu'il faut d'abord faire sa formation, faire une bonne formation, puis après on choisit le métier en fonction de ce qu'on sent, des stages qu'on a pu faire, de la culture qu'on a dans l'école, parce que dans l'école ils apprennent très vite aussi nos métiers. Voilà, ou
Aujourd'hui, c'est un peu difficile, à mon avis, pour un étudiant qui est au lycée, de se projeter sur un des métiers du numérique. Qu'ils choisissent la branche, oui. Mais qu'ils choisissent un des métiers, faites plus fort. Voilà. Et en plus, ça vous fout le temps. Ceci dit, si derrière vos questions, il y a également est-ce qu'on peut faire un bac ES et puis continuer un parcours de ce type-là, la réponse est la Croix Royale, je m'en ai écrite. Mais ES, surtout ES avec une option mathématique, permettra de continuer. Ouais. Là, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la voie littéraire, bon, ça c'est quand même étonnant, même si aujourd'hui il y a des métiers qui permettent de toucher le numérique, notamment sur le contenu. Maintenant, faire du développement, on est en train de voler terreur dans les jeunes. D'après moi, le développement, c'est un peu particulier. Moi, j'ai connu un médecin qui s'est informatique dans le passé. C'était un peu particulier. Là, on voit que, bon, on a Bac plus 2, hein, BTS DUT, vous le disiez, on trouve BTS SEO, informatique, en fait. BTS Service Numérique, Informatique et Réseau. Le DUT informatique, c'est un très bon diplôme pour travailler dans notre profession. Après, il y a des gens qui font génie électrique, réseau et télécommunication, DUT statistique. Voilà, l'université, parce que la formation IA, j'ai maintenant donc master. Et puis les doctorats, toutes les écoles d'ingénieurs. Quasiment aujourd'hui font du numérique. Et encore une fois, les écoles privées, pour ceux qui peuvent le faire, bon, il faut bien les choisir. C'est quand même assez coûteux, je trouve, et voilà. Ça nous permet à nous aussi, professionnels, d'avoir plus de personnes formées, plus de jeunes formés. Excusez-moi, le livre dont vous parlez, on le trouve où? Au sein du Syntec numérique, nous sommes donc à la Saint-Assemblée, à votre chaussée, alors... Quand vous rentrez, c'est sur votre droite, au milieu de la travée. Très bien, merci. Très brièvement sur le Big Data, ce que vous disiez tout à l'heure, ça suggère que les personnes qui ont, enfin, ça correspondait au secteur de la politique financière il y a quelques années en termes de niveau de compétence. Oui, on pourrait avoir ce comparatif tout. Tout relatif quand même, parce que, mais effectivement, c'est un peu ça, quand on a mis en place tout le trading, toute la formulation, c'est un peu ça. Par contre, le domaine est beaucoup plus large, puisque, bon, Big Data, c'est quand même du stockage de données, au départ, mais du stockage organisé, sur des critères qui sont à définir, donc on part sur des règles qui peuvent être floues et qui sont complexes, mais ils permettent, ça va permettre, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais d'en savoir beaucoup plus sur tout ce qu'on fait, voilà. Entre autres, pour simplifier. Et sur des comportements, sur les cours d'apprentissage, sur les stats, sur vraiment beaucoup de choses. Et les capacités techniques sont déjà immenses, mais ça progresse, ça continue de progresser à une vitesse énorme. Donc là, c'est vrai qu'il va y avoir une inspiration de compétences énorme, énorme. Bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais récupérer un petit peu d'avance.